Bonjour, c'est Grifox. Dans cette vidéo, on va faire de l'exo. C'est la première vidéo que je sors où on va faire 100 tentatives. C'est quelque chose qui se fait beaucoup sur YouTube en ce moment et que j'aimerais bien éventuellement mettre sur ma chaîne. Seulement pour l'instant, j'ai pas du tout le temps de m'investir là-dedans, sauf que un de mes abonnés m'a MP. Donc, alors là, déjà, je suis pas prêt du bon, des bons ateliers. Un de mes abonnés m'a MP pour me dire qu'il avait une centaine d'exos à faire et que il trouvait que ça lui ferait plaisir qu'on le fasse ensemble et en vidéo. Donc, ce sera le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, ça peut être sympa. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est que normalement, je prends que du G-Perf pour mes FM, ou du moins, j'essaye d'avoir vraiment des gros G. Et là, sur une bague l'ours, malheureusement, c'est compliqué à faire comme il n'y a pas de puits. Disons, il n'y a pas de PO, pas de PA, pas de PM et même pas d'invoke, donc c'est pas évident. Mais il a quand même fait apparemment des beaux jets et c'est quasiment que du 12 dos d'après ce que j'ai compris. 12 dos, 5 tacles, full res avec les crits, vita, stat et sagesse plutôt pas mal. Donc je me dis que pour une première vidéo de 100 tentatives d'exo, eh ben, ce sera pas mal. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si je le refais, enfin si je le fais par moi-même, je chercherai vraiment du G-Perf. En tout cas, donc merci à lui, il s'appelle Hugo Last Heliotrope. Donc petite référence à la série Wakfu, j'imagine. On est sur Julith et un grand merci à lui, grand merci à toi si tu regardes cette vidéo pour me proposer ça. C'est vrai que ça me fait une vidéo très sympa à vous sortir et moi j'ai pas grand chose à faire hein, concrètement, j'ai juste à passer les exos. Mais je serais quand même très content si on arrive à passer au moins un PE. Un PA, pardon. Hop. Alors j'espère qu'il va pas mettre trop longtemps à mettre ses exos. Et les runes, ok on a un anneau-mouteur en... je sais pas ce que ça fout là, bon. C'est pas grave, ça fait un peu tâche. Ok, donc apparemment il y a 101 anneaux. Mouteur, c'est pour te repérer, d'accord. Ok. Alors je suis pas vraiment habitué à faire ce genre de choses, mais d'accord, je comprends ce qu'il veut dire. Pour que je puisse. Ça sépare en fait les items qu'on a déjà tentés et ceux qui ne sont pas encore passés. Bon, bah allez, c'est parti. On y va comme ça, bon bah c'est vraiment du spam là, c'est du spam mais voilà, il s'est vraiment donné du mal sur les G, donc c'est quelque chose que je lui reconnais quand même. Il y a passé du temps, on voit que les G sont très propres, bon alors bien sûr c'est pas aussi beau que ce que moi j'aime, mais pour ce genre d'item, franchement c'est pas mal et on en voit très rarement dans le commerce des aussi beaux en Exopéa. Allez, on est parti, donc pour 100 tentatives, alors je vérifie juste que ça remet bien à la fin celles qui sont déjà passées. Et effectivement, c'est le cas, donc ça va être nickel pour se repérer. Très bonne initiative de sa part, le petit anneau pourri là. Bon, on regardera les G que s'il y a un PA qui passe. Hop. Allez, on y croit. Bon, j'aimerais bien en passer au moins un, mais peut-être qu'on en passera plus d'un si on a un petit peu de chance. Bon, dans tous les cas, ça va être vite fait. Ça va vraiment être vite fait. Moi, quand je fais mes exos, je n'ai pas du tout cette habitude de faire plein d'items d'un coup. Mais bon, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est juste un peu chiant parce que du coup ça encombre l'inventaire et au final ça change pas grand chose, mais c'est vrai que c'est assez jouissif et... Oh! Allez, direct! Bon, 53 en force et dommage et 34 sagesse, c'est pas une très belle. J'ai une de ces chances sur les exos, moi c'est un délire. Je crois que sur mes 100 dernières tentatives, j'ai dû passer 6 ou 7 exos, vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bon, on est parti, on enchaîne. Donc on a déjà un G plutôt sympathique là. Bon, c'est vrai que il en a fait des plus beaux. J'aimerais bien que ça passe sur un anneau où il y a au moins 55 partout dans le ou 56 partout, ce serait cool. Hop, toujours pas. Ah, il s'est vraiment donné du mal sur les G. Hein. Ça a dû lui prendre un temps fou d'FM tout ça. Allez, allez, on y croit. Ah, je suis sûr qu'on va en passer au moins 3, moi. Je vous le dis. J'ai autant de chance que ce que j'ai eu récemment. Tiens, d'ailleurs, en fin de vidéo, je vous montrerai peut-être si quelques petits exos que j'ai fait en bonus. Hop. Alors, j'espère que j'en ai pas passé des bagues sur lesquelles j'aurais cliqué trop vite et que ça les aurait enlevées sans que j'ai tenté l'exo dessus. C'est pas impossible. Faudra peut-être vérifier ça à la fin. Allez, on y croit. Je sens venir le petit PA là. Est-ce que vous le sentez? Moi je le sens. Ah, c'est tellement agréable l'exo, je trouve. Il y a ce petit frisson à chaque fois, l'espoir qui vraiment fait vibrer jusqu'au bout. Surtout quand on est sur du G-Perf. Bon, là c'est pas le cas malheureusement, mais.
De voir la petite ligne verte là qui arrive en bas, c'est juste génial quoi. Hop, bon. C'est une vidéo détente, hein, c'est sans prise de tête. Allez, un deuxième, au moins un deuxième, s'il vous plaît. Ce serait quand même chouette. Oh là là. Ouais, 40. On peut encore en passer un. On va dire ça comme ça. Même si techniquement, à 41, on peut encore en passer 40, mais ne rêvons pas. Bon, de toute façon, le deal est rempli. Il y en a déjà un qui est passé. À partir de là, c'est bon. Ok, toujours pas, toujours pas. Je sais pas s'il avait pris exactement le bon nombre de runes, mais je pense que oui, il devait y en avoir 101. Allez, 25. On y croit, on croise les doigts. Toujours pas. Là non plus. Oh, les G qu'il nous a fait, quoi, vraiment, vraiment pas mal. Hein. Il y en a certains qui sont très jolis. Hein. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas les soins, mais bon, forcément, il faut bien prendre du puits quelque part quand on FM ce genre d'item. C'est quand même donné du mal. Hein. C'est vraiment donné du mal. Allez, un petit dernier, là, s'il vous plaît. Un petit dernier sur les dernières tentatives. 14. 13. On pourrait faire un compte à rebours comme ça, mais ce serait chiant. Hop. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter sur un exo. Pour la première série, c'est déjà pas mal. Petite dédicace à Elite qui vient de se taper deux séries sans exo et qui a toujours rien passé. J'ai regardé ses vidéos et ça m'a bien fait délirer. On avait 252 Vital. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on en passe un sur la dernière? Ok, j'ai pas passé d'anneau dans le vide. Allez, le dernier. Dommage. Bon, c'était quand même pas mal. On va dire que le deal est rempli. Et ben voilà, il n'y a pas besoin de faire tellement plus que ça. Alors je vais essayer de retrouver celui qui est passé. Il doit être du coup dans les premiers, je crois. C'est passé en pas beaucoup de runes, une trentaine, il me semble. Il est où ce petit PA qu'on se le mette? Il est là. Il est là. Alors je vais quitter ça. Hop. Et ouais, bon, c'est vrai, c'est une des plus moches de celles qu'il a faites, donc j'ai un peu les boules pour lui. Et bon, c'est quand même un bel exo, hein. C'est du 12 dos, c'est pas mal. Il y a le tacle, il y a vraiment. Mais la vitalité et la force, hein, c'est pas fou, la sagesse pareil. Ben, je pense qu'on fera ça avec lui et puis on aura peut-être plus de chance sur le prochain. Alors je vais lui dire. Et bah voilà, il remonte ça. C'est bien, j'ai mes petits bots à FM qui me font mes FM et moi j'ai plus qu'à vous filmer. C'est vraiment le bon plan ça, concrètement. S'il y en a d'autres hein, qui sont sur Julite et qui veulent que je leur casse des PA, que je leur fasse les tentes à exo, moi je le fais avec grand plaisir. C'est vrai que j'ai été ravi de vous faire les vidéos de brisage PA là, avec des personnes que j'ai rencontrées en jeu qui m'ont MP et avec qui on a fini sur Discord ou sur Skype à parler pendant plusieurs heures. Et des gens vraiment très sympathiques, donc je suis ravi de faire des rencontres comme ça. Et ok, il sera plus exigeant sur les G la prochaine fois, c'est parfait. Bon, on va s'arrêter là au niveau des tentatives là-dessus. Moi, je vous montre très rapidement les exos que j'ai passés récemment. Bon, c'était pour mes stuff farm, hein, donc c'est un peu de la merde, mais c'est toujours drôle d'en voir. Et la vidéo s'arrêtera ici, on va pas faire trop durer. Nous y voilà. Alors là, on a un magnifique anneau vicieux exo PM. Quand je dis magnifique, bien sûr, c'est ironique, parce que c'est pour mon Ekater que je vous ai présenté dans une vidéo il y a quelques temps, et donc qui est uniquement pour du farm avec idole. Alors j'ai mis juste la force, la sagesse, les coups critiques, la portée, les dommages critiques et le retrait PM. Et le reste, concrètement, je m'en foutais pas mal, je voulais juste avoir environ 250 dini, donc c'est vraiment pour du farm, mais ça fait toujours plaisir de voir un petit PM qui passe, et ça c'est passé en vraiment très peu de runes, hein, quelque chose comme 15 runes. J'étais vraiment content. Donc voilà pour cet item pas ouf. Même genre pour le Lénus, ça c'est son picano pour son stuff aussi, chance retrait PM sur son mode farm. Donc la même chose, hein, j'ai mis que la chance, la sagesse, les critiques, la puissance, les dommages hauts, le retrait PM et bien sûr le PM. Tout le reste, je m'en fous complètement. Et ensuite, donc là c'est toujours pour ma team farm, ça c'est les épées glours de Mekra. Alors vous voyez ce G qui est, il n'y a plus rien dessus en fait, il y a juste les 8% critiques pour taper fort. La sagesse, je m'en servais pour remonter le puits un petit peu, puis après je voulais armes de chasse et PO. Donc j'en ai une ici, et une deuxième ici pour le deuxième Kra, avec un G tout à fait similaire. Donc il n'y a vraiment rien dessus, mais c'est parfaitement suffisant pour ce que j'en fais.
Voilà, bon, je vous glisse ça ici en fin de vidéo, hein, mais concrètement, c'est pas des exos qui cassent trois pattes à un canard, on va pas se mentir. Et pour finir la vidéo, je voulais juste remercier mon ami Savastano qui m'a fait un don d'un familier mimique occulte. Ça devait être un canib gloops, je crois, donc voilà, d'avoir un don, ça fait toujours plaisir. Moi je suis preneur, hein. Si vous avez des choses à me donner, que vous voulez passer dans une vidéo, faites-vous plaisir. J'aime beaucoup, et de toute façon j'ai toujours des tonnes de projets en cours, donc plus j'ai de sous qui rentrent, et puis plus je peux vous proposer du contenu. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu pour cette première série de tentatives d'exo. Je pense que je vais vous en faire, si j'ai un petit peu plus de temps, et surtout plus de moyens, et bah je pourrai vous sortir ce genre de choses, de manière régulière. Voilà, j'attends vos retours avec impatience. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.